Triconautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre le tricot. Donc dans cette vidéo, comme promis, je vais vous apprendre à terminer un ouvrage au tricot. Donc vous aurez besoin d'une pelote de laine, de votre ouvrage que vous souhaitez terminer, d'aiguilles, ainsi que d'une paire de ciseaux. Donc pour terminer un ouvrage. Donc là, c'est un tout petit ouvrage, hein, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc, pour terminer mon ouvrage, donc, je tricote à l'endroit un point. Voilà. Puis, pour le prochain, je tricote encore un point. Et là, je prends la première maille que j'ai tricotée. Donc ici, je passe mon aiguille dans cette maille, comme là. Et je la fais passer au-dessus de la maille que je viens de tricoter, donc comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une maille qui est tombée et qui est terminée. C'est fini. Donc je continue, je tricote un point. Là, j'ai à nouveau deux mailles. Donc je prends la maille la plus à droite, je la passe au-dessus de la maille que je viens de tricoter, et je la fais tomber. Encore une fois, donc j'ai à nouveau deux mailles. Je prends mon aiguille, je la fais glisser, passer au-dessus et je la fais tomber. Donc encore, et ceci tout le long de votre ouvrage. Donc faites bien attention à pas trop serrer quand vous finissez. Souvent on vous dira rabattre vos mailles souplement. C'est pour pas avoir un effet trop serré à la fin. Voilà, voilà. Et voilà, donc là j'ai une maille. Donc là on dirait, oh voilà, je suis coincée totalement, je peux pas terminer mon ouvrage. Si vous faites tomber la maille comme ça, alors là c'est fini, tout votre ouvrage part... comme si vous ne l'aviez pas fait. On va pas, on va éviter la catastrophe quand même. Voilà, donc vous voyez qu'il me reste 7 mailles, ça me gêne un peu. Alors, pour terminer, c'est tout simple, vous prenez le fil qui reste. Ah, attendez, je vais faire un grand rond. Vous tirez un petit peu dessus hein, si vous voulez faire passer votre pelote comme moi. Mais bon, normalement, vous juste vous prenez votre ciseau, vous coupez votre fil. Et vous le faites passer à l'intérieur. C'est juste que je ne vais pas couper mon fil, moi, c'est tout. Voilà. Chut. On tire. Donc je fais tomber ma maille. Hop. Je tire. Donc, pour pas trop serrer, j'appuie sur mon point et je serre. Comme ça, ça me fait un nœud assez fort. Et après, donc ce que je vous conseille, c'est donc laisser un petit peu de fil. Donc vous coupez, si là je devais finir mon ouvrage, je couperai là. Je couperai là, je passerai dans une aiguille à laine. Donc c'est une aiguille avec un chat beaucoup plus large que les autres. Et je passerai le fil à l'intérieur de mon ouvrage. Pour pouvoir... le serrer plus et éviter que le fil ne se balade partout ou dès que je tire un petit peu, que tout s'en aille. Voilà comment terminer un ouvrage.